c'est pour moi un peu comme être dans un lieu à la fois clos et très ouvert, donc un peu comme si on faisait une retraite et où on peut travailler beaucoup, se préoccuper que de ça aussi, ça c'est très important. Le titre qui m'est tombé dessus quand j'ai vu les lieux et que je me suis dit que j'allais faire une exposition ici. Alors pourquoi j'ai décidé de prendre ce titre? D'abord parce qu'il y avait les distances à parcourir et que marcher pour regarder, se déplacer pour voir cette exposition, c'était quelque chose. Et puis aussi se déplacer, parce que c'est toujours un peu ce que j'ai eu l'impression de faire en faisant des tableaux, en essayant d'assembler des images et des formes. Les images que l'on va chercher à l'extérieur, dans la réalité, le vécu, ça peut être aussi sur Internet, hein, parce qu'aujourd'hui c'est assez courant, il y a beaucoup de peintres qui font ça. Et puis donc, on va aussi chercher à l'intérieur, parce que ça surgit, on ne sait pas trop comment ni pourquoi. C'est de la mémoire, du vécu, des perceptions et tout ça se combine. En général, ça prend du temps. Et c'est d'ailleurs cette raison qui pousse à faire de la peinture, c'est le temps, la lenteur.